vous indique que hein, c'est une base de vie. Il faut prendre des plus jeunes. Mais vous avez compris, we slapen nu al 7 dagen in de munt en binnen de muren van het theater. Depuis 7 jours, nous organisons sur la place publique à 17h des déclarations politiques et artistiques et aujourd'hui elles nous sont interdites. Sinds 7 dagen organiseren we iedere dag hier om 5 uur politieke en artistieke bijeenkomsten op dit openbare plein. Alors que nous avons les autorisations et que c'est les policiers qui sont dans l'illégalité de nous enlever notre matériel. Laten we goed opletten. Zojuist werden we tegengehouden door de politie. Ze hebben alle materiaal, alles meegenomen. Les jours qui arrivent, il va y avoir des décisions capitales qui vont se jouer. Il va y avoir un codeco qui va être annoncé la semaine prochaine et le projet de loi sur la pandémie. Laten we heel goed opletten. De komende dagen gaan de geest, de groep belangrijke beslissingen nemen. Ze gaan berichten over nieuwe versoepelingen en ze gaan babbelen over de nieuwe pandemiewet. Si la loi pandémie venait à passer, ceci arrivera tous les jours et constamment. Nous n'aurons plus le droit de mettre 3 musiques d'affilée et de danser 10 minutes. Ça n'arrivera plus. We gaan door, iedere dag om 5 uur tot en met de 18e april. Nous sommes des étudiants et étudiantes. Nous sommes des travailleurs et travailleuses du champ culturel auquel nous avons fermement décidé de consacrer nos vies. Wij zijn artiesten, studenten en werknemers van deze samenleving in het culturele veld, waartoe wij vastbesloten zijn om dit ons leven aan te wijden. Et nous ne voulons pas hériter d'une société dévastée. Nous ne serons pas une génération sacrifiée. Wij willen geen verwoeste samenleving erven. Wij zullen geen opgeofferde generatie zijn. On n'occupe pas la monnaie. De munt is bezet. De munt is bezet. La monnaie est occupée. 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 Notre objectif est d'interpeller le gouvernement sur les réels enjeux soulevés par la crise. Door de munt te bezetten, verzetten we ons tegen politieke en ideologische keuzes van de regering, die nu al meer dan de pandemie zelf de culturele en de sociale banden van de fundamentele vrijheden al meer dan een jaar in zijn greep houden. Nous voulons envoyer un signe clair au gouvernement fédéral et les inviter à regarder en face les conséquences de leur gestion de crise. Onze doel is de regering te ondervragen en blijven bevragen op een kritische manier over de echte problemen te praten die deze crisis zijn ontstaan. Heel veel mensen zitten op dit moment in de shit. Ze zaten al voor de crisis in de shit en nu nog meer. Alors aujourd'hui, nous voulions rappeler notre solidarité avec
et du monde de la nuit. Nous avions prévu des interventions de paroles de personnes que depuis un an, on interdit de travailler. Elles devaient venir s'exprimer ici. Il devait y avoir une parole de Christine Mailly qui devait s'exprimer sur la pauvreté. Ils le feront peut-être tout à l'heure, on verra. A cappella, avec la voix qui nous reste. On chantera, pas besoin de musique, on chantera. Vandaag. De munt is bezet! De munt is occupée! De munt is bezet! De munt is occupée! De munt is bezet! De munt is occupée! De munt is occupée! Vandaag, we gaan gewoon door. We gaan door met de programmatie die we eigenlijk al hadden. Vandaag komen er vandaag de horecamensen praten, die nog meer in de shit zitten. Christine Mailly van Waals Netwerk tegen de Armoede. En ik denk dat armoede heel het land belangt. Ok, et pour vous informer donc de la situation actuelle, là, maintenant, ce qui vient de nous arriver il y a quelques instants, c'est-à-dire que la police était présente, comme tous les jours, sur le côté, ici, pour nous surveiller, pour voir s'il n'y a pas de débordement. Et aujourd'hui, ils ont bien attendu que nous finissions le montage des enceintes et de tout ce qui permet de prendre la parole, pour pouvoir nous l'enlever ensuite. Pas de discussion, pas de prévention. Ja, sommigen van jullie hebben het al gezien. De politie heeft daar straks alles meegenomen. Micro's, boxen, geluidinstallaties, zodat ze nog meer ons de mond kunnen snoeren, zodat wij niet kunnen zeggen wat deze samenleving over gaat. Vandaag de dag zitten er heel veel mensen in de problemen. Il faut savoir que dans le monde, du coup, il y a depuis deux, trois jours, le théâtre de Athènes qui est occupé. Et qu'aujourd'hui même, coïncidence, je ne sais pas, mais le National Art Council de l'Afrique du Sud étaient jusqu'à aujourd'hui occupés et ils ont été aujourd'hui délogés. Vandaag de dag een actuele nieuws in Athene is de Theater Nationaal van Athene ook bezet. En misschien is het geen toeval, maar in Zuid-Afrika is er een groep artiesten, kunstenaars van de Nationaal van Zuid-Afrika die waren tot vandaag de nationale theater in Zuid-Afrika hebben bezet. Toeval of niet, die zijn vandaag ook door de politie ontruimd. Ok, maintenant, on va essayer de continuer quand même, de prendre la parole. Oui, faut rester en nombre. Aujourd'hui, nous avons invité Christine Mailly, une grande dame, à prendre la parole sur des questions très importantes. Ça fait plusieurs jours que nous sommes ici. Ce n'est pas le premier jour que nous sommes ici. Nous avons normalement des micros, des enceintes, de la musique, de la poésie. Et aujourd'hui, ça nous a été retiré. Mais malgré tout, Christine, qui est là, va prendre la parole sans micro. Alors je vous demande une écoute très belle pour Christine Mailly. Alors je vais essayer de parler très fort. Je vais faire le plus fort que je peux. Parce que justement, je trouve qu'aujourd'hui, empêcher que la voix soit portée, pas seulement la mienne, celle de tout le monde, c'est un problème. Et je suis arrivée ici, moi, en voyant que la police a embarqué les choses, et je vous avoue que, même si on sait que tout ça se passe, j'ai une espèce d'émotion à l'intérieur, de boule, là, comme ça, qui me noue l'estomac.
Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi on empêche, en fait, les échanges. Pourquoi on empêche, en fait, les prises de parole diversifiées. Pourquoi un fait d'hier où il y aurait eu un peu de musique sanctionne ce qui devait se passer aujourd'hui. Et je trouve que ça ressemble terriblement à ce qui existe tout le temps par rapport à la pauvreté, à l'exclusion, par rapport à toutes les discriminations qui sont en général dans notre société extrêmement cachées, qui sont extrêmement tues, qui sont extrêmement oubliées, qui sont tout juste à peine gérées. Ce qu'on voit de la pauvreté dans notre société, c'est des gens qui font des files pour aller chercher des colis alimentaires, ou des gens qui doivent aller acheter dans des épiceries sociales, ou des gens qui vont au Resto du Cœur. Mais on ne voit plus les personnes qu'il y a derrière cette réalité-là. On ne voit pas qu'ils ont une vie avant, qu'ils ont une vie pendant, qu'ils ont encore une vie après. Et je trouve que c'est un peu ça qui est en train de se passer pour le moment avec ce phénomène. Parce que tous ces projets portés par des jeunes, par ceux qui font la société aujourd'hui et qui vont être dans cette société demain et qui vont nous aider à la porter encore plus après-demain. Et donc je trouve que c'est très important, donc c'est d'autant plus hors temps qu'il n'y ait pas, alors que tout ça se passe de façon en plus pacifique, organisée, structurée. Donc on n'est pas dans un grand bordel ici, en tout cas je ne crois pas, ce n'est pas ça que je vois, ce n'est pas ça que j'ai vu auparavant, ce n'est pas ça que j'ai compris. Donc j'ai envie de dire au bourgmestre de Bruxelles, mais enfin qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend d'agresser des citoyens qui essayent d'alimenter le débat et la réflexion? Qu'est-ce qui vous prend d'arrêter des gens qui, oui, sont furax sur ce qui est en train de se passer? Mais quand on est furax, ça veut dire qu'on est encore debout, qu'on est en train de faire, qu'on est en train de proposer, qu'on est en train de construire, qu'on est d'accord de porter avec. Et donc, c'est tout à fait déconcertant cette situation, et c'est pour ça que je la compare à cette pauvreté. Alors, j'ai envie de dire que par rapport à la pauvreté, je ne vous apprendrai sans doute rien en vous disant mais que avant cette crise, la pauvreté et les inégalités dans notre pays étaient déjà très importantes. Des gens qui ont des trop petits revenus, qui n'arrivent pas à vivre, il y a beaucoup de gens dans cette situation, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas. Des gens qui sont mal logés, il y a beaucoup de gens dans cette situation. Des gens qui doivent payer des loyers beaucoup trop élevés, il y a beaucoup de gens dans cette situation. Des gens qui voudraient faire un métier qu'ils aiment et librement choisi, mais qui ne peuvent pas réaliser ou prendre un emploi qu'ils aiment et qui est librement choisi. Il y a beaucoup de gens dans cette situation. Et la crise, elle n'a fait que révéler un peu plus. Alors ça peut être tant mieux. C'est dramatique de dire qu'il faut une crise comme ça pour visibiliser tous les invisibles. C'est dramatique de se rendre compte que dans la culture, il y a des inégalités terribles. Il y a des gens dans la culture qui ont un bon statut, et tant mieux pour eux. Il y a des gens dans la culture qui gagnent bien leur vie, et tant mieux pour eux. Mais il y a aussi des gens dans la culture qui n'ont aucun statut. Et c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, la crise elle le révèle parce que tout s'est arrêté. Et que donc, les oubliés du gouvernement pendant la crise, ben, heureusement, se sont organisés pour le faire savoir. Ça impose. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont envie de révéler la justice, mais aussi parce qu'ils sont en train de crever de cette réalité qui est arrêtée comme ça, soudainement. Mais c'est pas nouveau. Donc il y a des injustices et des inégalités dans ce domaine-là depuis toujours. Les gens qui vivent à la rue, mais c'est la face visible, c'est la pointe de l'iceberg d'une pauvreté extrême dans notre pays qui existe aussi derrière des façades, derrière des murs, dans des appartements, dans des quartiers, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, davantage en milieu urbain parce qu'il y a une plus grande concentration de population, de densité de population. Mais c'est une réalité qui préexistait. Le fait qu'il y ait des gens oubliés dont le métier n'intéresse pas la collectivité, c'est pas nouveau. Donc cette crise, elle a montré tout ça. Pourquoi? Parce que les gens, soit se bougent comme vous aujourd'hui, soit le gouvernement et les gouvernements se sont rendus compte que pour raison sanitaire. Ça va peut-être pas faire. Ça va comme
ça. Voilà. Ça va peut-être faire que demain je saurai encore parler. Merci beaucoup. Je vais mettre encore plus fort. On peut le mettre plus fort. Monsieur le Courbet, on peut le mettre plus fort. On peut parler plus fort, c'est bien. Mais donc je disais qu'avant cette crise, tout ça existait. Alors la crise, elle révèle ça. Les mouvements qui se déroulent pour le moment, pendant le temps de la crise, ils sont très importants. Ils sont très importants pour rendre visible, mettre des mots, montrer les humains qui existent, enfin montrer, ou que eux-mêmes se montrent, les humains qui existent derrière ces réalités. Essayer de croiser les propos. Dans le monde de l'Eureka, pas n'importe quel monde de l'Eureka, dans l'Eureka il y a aussi des inégalités, il y a des gens qui se referont plus vite que d'autres. Je pense que certains le savent, je l'ai déjà dit, moi j'habite à Durbuy ils vont se refaire beaucoup plus vite que là où on vend des sandwichs alors que tous les bureaux vont rester en télétravail, hein, parce que des touristes, il y en a déjà beaucoup. Donc là aussi il y a des inégalités, mais donc les affaiblis de l'Eureka, les affaiblis du social, les sans-abri, les gens sans statut dans la culture, les sans-papiers dont on voit à quel point ils font du travail dans notre pays en noir, et qu'ils vaudraient bien mieux qu'ils soient légalisés. Les femmes qui, on le voit par les boulots qu'elles font, les boulots qui se sont arrêtés ou les boulots où elles se sont crevées pendant cette crise et où elles se crèvent encore, parfois pour des salaires dérisoires, on voit aussi cette réalité-là. Donc on a besoin de faire alliance autour de la logique d'inégalité. On a besoin de se dire que dans tous les secteurs, il y en a des inégalités et il faut coaliser tous ceux qui refusent celle-là pour aller vers une société différente demain. Ça va être compliqué, le combat va être compliqué parce que demain, le risque, c'est que le capitalisme, qui a une force et une intelligence incroyable pour recycler tout, pour faire de l'argent, il va faire de l'argent avec le Covid, la crise et ses conséquences. Évidemment qu'il va le faire. Mais donc, c'est les alliances entre nous qui peuvent permettre d'intensifier la lutte pour essayer de freiner ça et proposer autre chose. Proposer autre chose comme modèle de société. Et la culture est importante là-dedans. Moi, je suis contente que la culture se réveille fort pendant ce temps de crise. J'ai personnellement travaillé 15 ans dans une maison de la culture, il y a déjà un certain temps. Et j'ai été troublée dans les dernières années où j'avais l'impression qu'il y avait parfois un endormissement dans la culture de participation au combat de fond. C'est pas général, évidemment. Comme partout, il y a des gens qui continuent à mener des luttes. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la culture est en train de se ramasser dans la gueule et donc aussi de se réveiller davantage que les autres, comme dans les autres secteurs. Et donc, il faut soutenir ça, absolument. Et donc, quand nous, on est dans la lutte contre la pauvreté, on n'est pas là pour gérer la pauvreté, on n'est pas là pour dire qu'il faut donner 5 sous à quelqu'un qui n'en a que 5, pour qu'il reste tout juste la bouche en dessous de l'eau et le nez au-dessus de l'eau. C'est pas intéressant, ça. Il faut changer radicalement les choses ensemble. Et c'est les inégalités qui sont à l'origine de ça. Et les inégalités, ben, où trouve-t-on les riches, les réponses, ben, c'est dans les richesses. Alors comment va-t-on partager les richesses demain? Quelle fiscalité on voudra demain pour réinvestir dans la culture, pour qu'il y ait des vrais statuts, des vrais emplois? Est-ce qu'on décidera demain que la recherche doit être bien financée? Parce que par exemple, la recherche scientifique, c'est chercher pour souvent ne pas trouver, mais quand on trouve, c'est fabuleux. Eh bien, dans la culture, c'est aussi travailler, créer, chercher, etc. Et puis quand ça émerge, c'est fabuleux. Mais il faut pouvoir payer aussi ce temps où on a le droit de chercher, de se tromper, de réessayer, de recommencer. On a le droit d'être dans un pays qui dit mais financer sa culture, c'est financer ses racines, c'est financer une société qui doit avancer. Reconnaître que créer, ça a une fonction majeure dans une société. Il est grand temps d'arriver à le faire. On est dans un pays qui ne reconnaît pas la fonction majeure de la création. Et c'est la même chose pour moi, c'est à l'égal de la recherche scientifique. C'est du même ordre. On doit pouvoir chercher, on a le droit de chercher. Et ça doit être reconnu par un État. Ça va être tout le combat énorme que la culture doit mener. Mais donc on doit faire ces liens, de plus en plus. Et en tout cas au réseau wallon de lutte contre la pauvreté, parce que moi je ne suis qu'une parmi au réseau, on a beaucoup de gens qui sont dans la merde, qui sont des militants convaincus depuis longtemps, et qui ont compris que c'est en allant
capter et organiser autrement les richesses qu'on pouvait créer une société solidaire. Qui ont compris que c'est en organisant une sécurité sociale forte qu'on peut créer une société solidaire. Qui ont compris qu'il fallait revendiquer une liberté d'existence, c'est-à-dire de pouvoir faire des choix. Vous savez, dans l'emploi aujourd'hui, mais vous le savez, les gens du monde de la culture le savent fortement, dans l'emploi aujourd'hui, si vous êtes de petites conditions et que vous refusez n'importe quel emploi qu'on vous propose, on va vous dire capricieux. Mais si vous êtes de bonnes conditions, là c'est plus normal de pouvoir choisir et de dire j'aime bien ça, je n'aime pas ça, j'ai envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Il y a très longtemps que le petit peuple n'est pas écouté, évidemment dans ces réalités, c'est pas nouveau. Et donc ici on a, j'ai envie de dire, une opportunité avec cette crise de révéler tout ça, de dire tout ça, de coaliser tout ça. Voilà, moi je suis venu aujourd'hui pour dire ça, je vais quand même m'arrêter parce que c'est dur en fait. Bravo, bravo. À tous ceux qui portent depuis maintenant une dizaine de jours, je crois, toute cette occupation, cette organisation qui donne du sens aux choses, qui prennent des risques en donnant ce temps, mais qui aussi osent imposer des dialogues différents, des mélanges différents, etc. Ça se passe ici à Bruxelles, ça se passe dans d'autres lieux à Bruxelles. On va essayer de faire quelque chose à l'avenir prochainement pour aussi mixer tout ça. Il faut continuer. Désolé. On va continuer à prendre la parole, malgré tout, avec ce qu'il nous reste. Savoir un petit mégaphone et nos voix. Et donc c'est Bram et Romain qui vont prendre la parole pour le monde de la nuit, le 24h Bruxelles. Nous avons créé cette association en 2018 pour améliorer la gestion de la nuit au sens large, festif, social et culturel, en collaboration avec tous les acteurs du secteur, les gestionnaires des lieux de culture nocturne, les riverains, les autorités publiques, etc. Quand on a créé la SBL, on n'avait pas imaginé que 2 ans plus tard, il ne serait plus question d'améliorer la nuit, mais de la sauver. Depuis maintenant 12 mois, les lieux de culture nocturne sont fermés. Les boîtes de nuit ont été les premières à fermer et seront probablement les dernières à réouvrir. Cette fermeture s'est faite sur base de l'hypothèse que les sorteurs bourrés, entassés pendant des heures, seraient plus à risque pour leur santé et ceux des autres que les voyageurs des grandes lignes, moins sous mais tout autant entassés pendant des heures. Depuis pas mal d'années, je m'indigne du ton et du dédain quand les autres parlent de la nuit. La barbarisation des utilisateurs de la culture nocturne d'un côté, les drogués, ces soulards, ces vicieux, et une infantilisation pendant des années de tous les secteurs culturels est une des raisons que le gouvernement bruxellois a pris jusqu'en fin décembre 2020 pour proposer des mesures de soutien au secteur culturel, événementiel et nocturne. Mais l'arrogance et le désintérêt politique ont été pires que les pertes économiques liées à la fermeture de ces lieux nocturnes et culturels de nuit. Leur discours, repris par la majorité de la société, consiste à dire que cette culture nocturne est non essentielle. Depuis ces dernières années, j'ai perdu ma communauté, j'ai perdu mes espaces de dialogue, j'ai perdu toute cette partie non essentielle de ma vie, mais tellement indispensable. J'ai perdu une communauté queer, une communauté où, le temps d'une soirée, on peut faire autre chose que consommer, travailler et suivre des règles. Une communauté combattante et parfois révolutionnaire.
une communauté où l'on réinvente le possible de chaque jour, le temps d'une nuit. Il me semble évident que tant que le gouvernement favorisera certains secteurs au détriment d'autres secteurs, la population se révoltera de plus en plus. D'autant plus si ces choix politiques semblent se baser sur des motifs économiques et non sur des raisons scientifiques. Il est de plus en plus difficile pour la population de les comprendre et d'accepter ces règles. Une étude de l'Institut Hermann Rich sur la transmission du virus par les aérosols, dont les résultats ont paru sur le site de la RTBF ce 18 février 2021, a qualifié les résultats selon un indice de circulation du virus, dont la valeur de référence, qui était fixée à 1, est conventionnellement l'exposition dans un supermarché avec masque. Cela permet de comparer les résultats à cette valeur de référence. On observe que les théâtres, les opéras, les musées, avec un port du masque et une jauge publique de 30%, obtiennent le meilleur score de 0,5, ce qui signifie que le risque de contamination via les aérosols y est 2 fois moindre que dans un supermarché, et 3 fois moindre que dans un bureau open space, et 5 fois moindre que dans des écoles secondaires. Les salles de fitness, elles aussi fermées depuis octobre 2020, obtiennent un score de 1,5, tandis que les piscines, toujours ouvertes, obtiennent un score de transmission de 2,3. Certes, on peut comprendre que les politiques doivent prendre des décisions s'appliquant au plus grand dénominateur commun, mais les populations qui ne font pas partie de ce plus grand dénominateur doivent aussi avoir le droit de continuer à vivre. Les actes de désobéissance civile et des rassemblements pacifiques comme Still Standing for Culture sont devenus fréquents, tout comme les occupations des lieux culturels ou les poissons d'avril en guise de bombe. Que ce soit intelligent ou non de se réunir en grand nombre dans des parcs le temps d'un après-midi, c'est selon moi une fausse discussion, car il me semble prévisible et légitime qu'une partie de la jeunesse privée de leur vie et privée d'une vie collective depuis plus d'un an enfreignent des règles incohérentes et douteuses, parfois même inconstitutionnelles. Peut-être serait-il plus judicieux de laisser aux professionnels du secteur de la fête le soin d'organiser ce type d'événement. Cela éviterait les charges à cheval d'une police agressive sur les jeunes et les moins jeunes gens en quête d'un grand bol d'air, sur les artistes, les personnes queer et les rêveurs aspirant à être, aux yeux de leurs représentants politiques, un peu plus qu'une variable d'ajustement économique. Ce qui suit est inspiré du philosophe français Michael Fessel dans La nuit, vivre sans témoin, et sera lu par le grand Romain David. Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il arrive qu'une nuit de fête ou de palabre se prolonge en plein jour, à la plus grande surprise des participants qui découvrent un soleil déjà haut levé dans le ciel. Il arrive que la nuit semble pouvoir durer indéfiniment. Mais pour vivre ça, la nuit exige que l'on se livre à elle, sans compter, sans se soucier de l'heure tardive, sans se soucier de la loi, de la limite, des impératifs et des nécessités sociales du jour qui suit. Dans l'expérience de la nuit, il n'y a pas de place pour l'anticipation d'un ailleurs. Il n'y a ni envie de dormir, ni attente du lendemain. À celui qui cherche à y échapper ou qui renonce aux promesses nocturnes,
aux citoyens qui s'étaient attardés sur la place d'une nuit debout et qui redevient un individu soumis aux impératifs d'une gestion réaliste des affaires de l'État, il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne nuit. C'est-à-dire une nuit sans événements. La plupart des nuits se règlent sur le jugement du jour. Une bonne nuit est une nuit où l'on dort pour pouvoir être éveillé tout au long de la journée qui suivra. Les mauvaises nuits, celles dont on dit qu'elles sonnent l'heure du vice et du crime, ne sont pas toujours aussi téméraires qu'un certain romantisme voudrait le faire croire. Mais on y pratique tout de même une transgression des cadres. Oui ! Oui ! Les expériences nocturnes. Ah, la police, décidément. C'est le jour de la police. Pour les pompiers qui m'apparaissent. Ok. Les expériences nocturnes ne sont ni vraiment subies ni choisies. Dans un poème qui évoque la manière dont la nuit se glisse en nous autant que nous entrons en elle, Supervielle dit « Par toi, nous devenons des étoiles consentantes. » Consentir à la nuit signifie accepter de se soumettre aux expériences singulières que seule la nuit peut rendre possible. Celui qui ne dort pas s'expose à la nuit sans savoir avec certitude ce qu'il attend. Il consent à ne voir clair ni dans ses pensées, ni dans ses actes. Heureuse ou malheureuse, une expérience nocturne réclame un certain degré d'obscurité. Et c'est d'ailleurs la crainte de ceux qui se refusent à la nuit. Un défaut de visibilité du fait que l'on ne perçoit pas par avance la fin du chemin. Il y a de bonnes raisons de ne pas vouloir entrer dans cette forme d'aveuglement. Mais si je consens à la nuit, c'est justement à cause de cette incertitude du regard qui rend vaines toutes mes prévisions. Et je nous souhaite tous, et je vous souhaite donc à toutes et tous, de très mauvaises nuits. Just to say for everybody who is new here, the Lunat aangesloten is. Ongeveer 20 minuten geleden zijn we door de politie hebben ze alle materiaal weggenomen. De boksen, de alle violence, notre niveau. Maar we gaan gewoon door met de programmatie van vanavond. We gaan continueren en we are just going to continue the programmation. It's going to be a bit à la proviste. Oh, voilà pour les personnes qui nous rejoindraient maintenant. Voilà, donc il y a quelques instants, on nous a enlevé notre matériel alors que nous avons l'autorisation. Et c'est pour ça que nous continuons à faire notre programmation de parole. Voilà, mais sans micro, a cappella. Police, faites-moi chier, franchement.
un bar lesbien, féministe, queer, ouvert à toute la communauté LGBTQI+, et leurs amis. Il s'agit d'un lieu unique à Bruxelles, un lieu essentiel. Chaque café, chaque bar ou resto a sa particularité, sa clientèle, son histoire et est essentiel pour être celles et ceux qui le fréquentent. La plupart des gens ne viennent pas au bar pour se prendre un verre, sans se chercher soit trois fois moins cher. Donc, les gens viennent au bar pour parler, écouter, sortir de leur solitude, rire, rencontrer d'autres personnes, bref, socialiser et se divertir. Les contacts sociaux sont aussi essentiels pour l'humain que boire, manger et dormir. Le discours qui peut supprimer notre besoin de contacts sociaux pendant un an. Juste parce qu'il le décide. Et les récents rassemblements au Bois de la Cambre en sont le témoignage. Le gouvernement aura beau interdire toujours plus, menacer et réprimer toujours plus durement, l'instinct de survie et le besoin de se rencontrer seront toujours plus forts. Liberté ! Liberté ! Ce qu'on ne peut pas empêcher, il faut l'encadrer. Ouvrons tous les secteurs. Ils sont tous essentiels. La culture, l'horeca, les métiers de contact, les écoles, les unifs, les salles de sport. Ouvrons-les tous dès aujourd'hui, mais avec des protocoles de sécurité. Il faut arrêter de voir l'horeca et la culture comme étant un problème alors qu'il s'agit de la solution. Ouvrir tous les secteurs de façon sécurisée permettra de mieux contrôler la pandémie, d'améliorer notre santé mentale et physique et de redonner un souffle de vie et de bonheur à chacun. Ça aussi, c'est la santé. Le 1er mai, le Crazy Circle vous ouvrira. Qui arrive ? Et que d'ici là, les autorités continueront à nous soutenir financièrement.
Sans support financier supplémentaire, beaucoup, nous savons que beaucoup ne pourront plus tenir. Ce serait dommage de perdre ce savoir-faire qui a beaucoup contribué au rayonnement de cette capitale qui nous est chère. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, nous tentons aussi de profiter de cette période pour rester positifs, car sinon la situation ne serait encore pire et démoralisante. Nous prenons ce temps qui nous est imposé pour reprendre les fondements de notre établissement et ainsi vous accueillir dans les meilleures conditions pour tout le monde. On vous laisse maintenant profiter du set de Louis Vogue qui n'aura pas lieu. En carré, en bar, en privé, etc. Après une courte reprise de quelques mois, nous voilà de nouveau empêchés de travailler sans réellement d'autres alternatives. Durant cette année de pandémie, quasiment aucun signe n'a été fait de la part du gouvernement fédéral. Ce n'est que très récemment que nous avons pu rencontrer les dirigeants politiques, les dirigeants et dirigeantes du groupe d'experts du GEMS et découvrir que, oh, surprise, le travail du sexe est un métier de contact finalement. Donc fermeture, encore. Et bien sûr, une perte de 3 semaines, nous aurions pu potentiellement reprendre en toute légalité. 3 semaines supplémentaires de perte que personne ne viendra compenser. Serveuse, masseuse, horeca, travailleuse du sexe, métier de contact, prostituée, contraire aux bonnes mœurs. Nous définir n'a jamais semblé aussi difficile. Et pourtant, Dieu seul sait que nos dirigeantes et dirigeants connaissent bien les travailleuses et travailleurs du sexe. Aucun plan de déconfinement clair et précis n'est défini pour les 30 000 travailleuses et travailleurs du sexe qui exercent en Belgique. Ces personnes qui paient des taxes vitrines, leurs impôts, parfois même la TVA et autres systèmes de solidarité. Nous participons à l'économie. Nous sommes un des secteurs générant le plus de PIB comparé à son nombre de travailleurs. Il serait temps de nous prendre en considération. Sur 500 000 euros du cabinet Lallieu à l'intégration sociale, soit bien moins que la majorité des autres secteurs. La plupart des TDS n'ont pas pu bénéficier du droit passerelle ou chômage temporaire, n'ayant tout simplement pas le bon statut ou n'étant pas déclaré suffisamment d'heures pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit.
Des centaines de TDS exerçant en privé se sont retrouvés complètement isolés, sans revenus, parfois expulsés malgré les différents moratoires, mais qui ne concernent toujours que des personnes bien enregistrées, bien déclarées, bien intégrées. Du côté des TDS les plus précaires et marginalisés, sans papier, même histoire. Elles et eux qui étaient déjà précaires avant le confinement se sont retrouvés obligés de continuer à travailler, à prendre des risques, à subir des violences, faute de prise en charge structurelle de nos gouvernements. Encore une fois, nous sommes des travailleuses et travailleurs et nous voulons des putains de droits. Oui, 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 oui. On reprend le nom du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborn. Stop à l'hypocrisie! Nous sommes des milliers à travailler en Belgique, à générer des richesses dans ce pays. Le gouvernement doit nous entendre et nous prendre en considération. Nos passes ne doivent pas servir à payer vos taxes. Que l'on soit belge, hollandaise, roumaine, nigériane, togolaise, bulgare, ainsi de suite, dans le travail du sexe, par choix libre et consenti ou en situation d'exploitation, nous avons besoin d'être protégés et mis en sécurité par des lois et mesures qui nous protègent et non être exclus encore plus loin, loin des regards, loin des lumières de la ville, loin de la bienséance. Nous avons besoin de soutien, d'écoute. Nous avons besoin de sentir que ces lois que nous devons respecter sont aussi faites pour nous, que cette pandémie affreuse ne se payera pas sur le dos des plus précaires. Nous avons besoin de voir que le gouvernement nous entend, qu'il voit nos réalités et qu'il nous appuie dans nos revendications. Nous avons la nécessité d'une réelle prise en charge ici et maintenant, pas dans 6 mois, 1 an ou 10 ans. C'est tout de suite! Nous avons besoin d'être considérés comme essentiels, pas pour une réouverture manu militari qui ne prendrait pas en compte les enjeux de santé, mais bien pour une question symbolique. Nous sommes essentiels, vous êtes essentiels, le monde ne peut pas se passer de nous, toutes et tous. La division de notre monde entre ce qui serait nécessaire à la survie ou pas ne se pense que dans un prisme rétréci, celui des décideuses et décideurs politiques qui ne semblent pas partager nos réalités, nos vécus, nos joies et nos souffrances. Nous avons besoin de nous sentir, de vous sentir, d'être à nouveau solidaires les unes avec les autres, d'être ensemble et d'affronter ce foutu virus d'une seule et même vague, la nôtre, celle de celles et ceux qui se battaient avant et continueront à se battre demain pour un monde meilleur, plus inclusif, où les travailleuses et travailleurs du sexe ont une place, comme tout à chacun, loin d'une morale antique et nauséabonde qui ne fait rien de plus que criminaliser et stigmatiser les plus précaires d'entre nous. Une réelle prise en compte du travail du sexe dans les débats ministériels et parlementaires. Un plan de déconfinement clair et précis concernant le travail du sexe. Des aides structurelles, comme pour les autres secteurs, prenant en compte les particularités du travail du sexe. Un processus de concertation clair et structurelle avec notre secteur. Et une réelle reconnaissance et un réel statut pour les travailleuses et travailleurs du sexe mis en place avec les principales concernées. Si cela avait été fait bien plus tôt, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Le dialogue est notre méthode, mais sans écoute, sans considération, alors nous reprendrons ruse et trottoir. Jusqu'à ce que nos décideurs et décideurs politiques veuillent bien nous accorder le droit de vivre et non de survivre. Bonjour, Patrice. Alors, une entreprise a été créée en décembre 2015 par une travailleuse et travailleurs du sexe du Belgique afin de nous exprimer nous-mêmes sur nos réalités et nos choix. La pandémie actuelle nous rappelle l'urgence à créer un statut reconnaissant notre activité et ses réalités. Notre travail du sexe est en place d'être décriminalisé afin que nous puissions nous inscrire dans la solidarité
et la mutualisation des risques tels que ceux que nous traversons aujourd'hui. Merci. Les travailleurs et les travailleuses du sexe sont acculés à la précarité et à la pauvreté va grandissante. Aujourd'hui, une grande partie des TDS doivent choisir entre grande pauvreté, endettement, expulsion ou risque sanitaire. L'interdiction de l'activité sans contrainte contraint beaucoup d'entre nous au travail clandestin, exposés à la violence, les menaces, les risques sanitaires et la répression. Cette situation démontre qu'il y a une nécessité à la création d'un statut professionnel. La précarité que c'est plus lourde entre la stigmatisation, la discrimination et l'oppression bien pensante. Le travail du sexe est un travail. Locale à l'échelle du monde. Nous sommes actrices et acteurs de l'économie et nous revendiquons la prise en compte de notre métier comme acteurs à part entière des créations des services et de valeurs réinjectées dans la solidarité et les biens collectifs. Oui, la culture, du loisir, de l'ORECA et les autres, le statut d'activité nécessaire à la bonne santé psychologique, c'est-à-dire une réelle plus-value dans la construction de l'indice de bien-être des populations. Oui, oui. Nous, travailleurs et travailleuses du sexe, des métiers du contact, nous avons partagé le statut de paria durant cette période, alors que rien n'a prouvé que nous étions un vecteur de propagation. Nous sommes les sacrifiés. Le silence n'est pas notre méthode de négociation. Et nous continuons à exprimer notre besoin de reprendre notre activité, notre besoin de sortir de la pénalisation par la reconnaissance d'un statut professionnel clair, la déconstruction des stigmates, car nous n'acceptons pas que porter le manteau de la honte que certaines et certains tentent de nous imposer. Nous sommes le travail du sexe, nous sommes porteuses et porteurs de vie. Le travail du sexe est un travail, il est l'essentiel à l'équilibre du monde. Een kist, een... Een boot, helemaal. Dat is een boot. Ici, au milieu, il y a une boîte. Daar is er een box. Er staat papier met een stilo. Je schrijft iets op. Je steekt er in een box. En straks gaan we dat uitschrijven. Vous pouvez inscrire des revendications, ce que vous voulez, que ça soit crié après. Vous pouvez aller dans cette boîte. Enfin, mettre le papier dans la boîte. On en a marre d'être dans des boîtes. Ouais, on veut être dans des boîtes. Non. Et après, on pourra crier tout ce qui aura été écrit dans cette boîte. Et maintenant. C'est Aurélie Di Marino. Pas très bien comment parler ici. C'est l'improvisation totale. Aujourd'hui, vu la situation, ouais, c'est parti quoi. J'ai une histoire à raconter, mais pas du tout structurée, parce que j'ai pas pensé, je suis pas préparée, mais je vais essayer. Et on verra où j'arrive à fur et à mesure. Le plus grand maître, en tant qu'artiste en développement, moi je veux dire, que j'ai eu, c'était pas un être humain. C'était un singe. C'est-à-dire, c'était pas un singe. C'était un bonobo, c'est pas des singes en fait.
Il y a des années, j'ai rencontré un bonobo. Plusieurs, en fait. Et j'étais entre moi et les bonobos, il y avait une grille. Et ils étaient là, à trois, et ils faisaient l'amour. Ils étaient en train de. Ouais. Faire des culilingus en train de baiser à trois comme ça. Et moi j'étais là avec deux autres personnes humaines. Et on regardait les bonobos. Et à un moment donné, ils s'arrêtent à faire l'amour. Et ils se mettent devant la grille, devant nous. Et ils nous regardent. Et moi j'étais là comme ça. Et le bonobo, il fait. L'un des trois bonobos, il fait ça. Donc, en fait, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe ici? Qui regarde qui ici? Est-ce que moi je regarde les bonobos ou est-ce que les bonobos me regardent? C'est une grande question pour moi. Déjà ça. Et là, je me disais, moi qui rigolais, qu'ils étaient en train de faire l'amour là devant nous, je me disais, mais c'est qui le con en fait? Moi, je suis là avec deux autres personnes et on n'est pas en train de faire l'amour. Mais attends, c'est pas fini. Puis, après ça, des mois après, ça restait dans ma tête et je me suis dit, mais c'était quoi ce moment où il me faisait ça? Parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression qu'on était famille. Qu'il y avait une espèce de... Je me disais, ouais. Ou bien c'est moi vos ancêtres, ou vice-versa, je ne sais pas. Mais il y a une relation là. Et mais c'est quoi cette relation? Et là, j'ai commencé à lire des bouquins sur les bonobos, sur des trucs. Et j'ai compris que... Eux, comme nous, ils ont des neurones spécifiques qui sont des neurones, en néerlandais on dit neurones miroirs. Je ne sais pas si ça existe en français. Ça existe? Oui. Ok, voilà. Et donc, ils sont comme nous, dans la capacité d'imiter le corps de l'autre. Et le fait qu'ils sont dans cette capacité le rend empathique. C'est-à-dire qu'ils sont capables de s'imaginer, on va dire, comment c'est d'être dans le corps de l'autre. C'est-à-dire de s'imaginer ce que l'autre sent, ressent. Ouais. Et là, après, je suis linguiste j'ai étudié la linguistique il y a longtemps. Et là, je me rappelais quelque chose de ces cours de linguistique dont je me disais, mais ça sert à quoi toute cette linguistique? Bon, ça sert à apprendre à parler un peu français. Et ça en reste là. Non, j'ai appris là qu'en fait, on apprend une langue en imitant les gens qui sont déjà dans le monde avant nous. C'est-à-dire qu'on les imite, quoi. Donc l'imitation, en fait, c'est la base de la communication, c'est la base de la culture, c'est la base du langage. C'est la base de la culture, l'imitation. Donc ces bonobos, ils font de la culture, nous on fait de la culture. Et là, j'ai commencé à me dire, waouh, le mimétisme, c'est quelque chose. Là maintenant, aujourd'hui, c'est... Il s'est passé quelque chose, et il se passe quelque chose dans cette société que je ne comprends pas du tout. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mauvais, mais ça arrive. Et aujourd'hui, il s'est passé quelque chose de pénible pour nous tous, humains. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de confiance à cette culture de danse, de se voir, de s'imiter, tout ça. Mais il y a une chose, c'est que il y a quelque chose auquel personne ne peut
qu'on a dans notre âme. On peut nous emprisonner, on peut nous mettre dans des camps, mais là, personne ne peut y toucher si on est fort. Et il y a autre chose, c'est que la foi, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le confisquer, la foi. La foi est le mental et le sensible. Et moi, j'aimerais essayer un truc ensemble. C'est de montrer à tous ces humains qui ont oublié ce que c'est la base de la communication et de la culture. Ce que c'est. Et que ça peut marcher sans que ça parte putain en couille. C'est-à-dire, je vais vous demander un truc très simple. À vous tous de vous mettre tous là, s'il vous plaît, et de prendre distance, 1,50 m, l'un de l'autre, pour montrer qu'on comprend, qu'on peut prendre cette décision, prendre distance, tout, pas pour suivre les mesures, c'est pas pour ça, c'est juste pour... Moi je mets un peu en scène, allez hop, c'est parti les gars, c'est chouette quand même. Je vais me mettre ici et je vais demander à ceux qui m'entendent de faire la même chose que je vais faire. Et ceux qui entendent le prochain qui commence de faire aussi la même chose. Je vais donner un son, c'est tout. Et on va continuer jusqu'à ce qu'on a fini. On va essayer. Quoi? Oh, oui tu peux, mais pas maintenant, on va essayer un truc. Vous avez tout compris. Oui. L'utilité, c'est lui qui a proche de vous. On va voir ce que ça donne. Mais pour montrer, pour ceux qui n'ont pas compris, que être humain, être sain, avoir de l'homme miroir, ça veut dire que même ça. C'est pas grave, quoi. Allez, on s'est passé, on essaye.
Et en fait, ils ont pris tout le matos, mais c'est pas pour autant que ça va nous empêcher de nous exprimer, si j'y arrive. Donc voilà, on fait du bruit pour la liberté. Alors, et ben les mois qui avancent, à vis à découvert, je paierai pas l'amende des parcs qui nous gouvernent, et pas les mois qui avancent. Un visage couvert, le monde a faim de liberté, donc c'est pour lui qu'on met le couvert. Est-ce qu'on a amusé nos voix? J'ai décidé d'ouvrir ma gueule. Je veux résister à croire en toi. Et non, l'ami, tu n'es pas seul. Cette année satanée, nos libertés sont mises à mort. Toute la journée en train de tourner, le grand final de Black Mirror. Format de violence, romain de conscience paresseuse. Nos petites vies sont violées par des monstres en masque bleu. C'est l'heure du contrôle, des gens par les gens. La souris de porcelaine a bien dressé l'éléphant. Des seules barrières aux lèvres, l'isolement fait du porte-à-porte. Dans le langage du syllabe, les dents avec une brosse à chiottes. Et ben les masses avancent, en visage couvert, je paierai pas la menthe. Les parcs qui nous gouvernent, et ben les masques j'avance. En visage couvert, le monde a faim de liberté, donc c'est pour lui qu'on met le couvert. Du prix pour la liberté, tête de la monnaie. Le voyage comme la vie est incroyable. La part que je raconte sort de ma carcasse, les différences sont cassables. Je prends exemple, je contemple leur sourire inoubliable. La jungle verdoyante, l'univers est admirable. Les liens indéfinissables, notre amitié est stable. Les liens sont adorables, l'énergie infatigable. Leur cœur est remarquable, ils me racontent l'esclavage, et c'est abominable. Les rois ont vendu les leurs. L'horreur est infâme et leur pardon est incroyable. Leur colère est justifiable. La facilité que j'ai pour offrir les portes désirables, comme des crêpes au sirop d'érable. Chaque réveil est modifiable. Leur logique d'échec est invivable. Mais toute lacune est rattrapable. Je garde la force, l'instinct, le courage. Et c'est l'homme formidable. Je me pose et constate des choses improbables. L'Europe est avare et malade. Je fais sous l'archbite. Ça rend les miens indésirables. Les futurs projets seront incroyables. Car le roi ne l'a fait palpable. Je ne veux que des mots qui élèvent et rendent beau. Tu peux ranger ton ego. Entre le splendide, l'instant magique, le désir et le plaisir, l'excellence et l'échange. Est-ce que tu y penses à rendre le rêve, la victoire, le flambeau? Rends les tiens plus beaux qu'ils ne le sont, pour qu'ils le deviennent vraiment. Le potentiel est indéniable. Je ne gâcherai pas mes compétences, non. Sois un homme, une femme respectable. Deviens le réceptacle de la lumière. On est incroyable si on est ensemble, c'est clair. L'amour est instoppable. J'ai la foi en son langage. La musique est magistrale. Et tant mieux si elle est rentable. Elle reste avant tout pour moi une réflexion sociale. On est incroyable si on est ensemble. 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 Listening, and these hot coins keep blistering my hands
sweat, glowing, burning red, while your debts and your bets and your banks and your bonds and your stocks and your charts and your ratings are by miles missing the spot, but lock on to the point of no return. Nationalities, misguided sentimentalities, vanities, police brutalities, white people's fragilities, conquered our capital values and societies. Companies, monolingual, mono-ethnical, monocultural, multinational. These insanities, sometimes grumbling, but never grinding to a halt. I am so tired of this race to the bottom of these machinations, never stopping, hopping from one hive to another, but cropping my imagination, our imagination. This house is crumbling, slowly swallowed up, ground up in bits and pieces, decomposing. I am so wound up. This house is built on blood, dripping from our hands, slipping into my head, till my vision of this world is raging red. Chaque
nous complètement à la masse, mais enfin sans jupulaire. Donc on était obligés de draguer le gars le plus dégueu du troquet pour tenter de troquer un peu de charme contre une 25 dans un gobelet. Un peu de charme Bah t'as l'impression d'être stylé, de danser comme Beyoncé, tu te sens plus bonne que Cardi B, mais en vrai tu gesticules toute suante sans habit. C'est vrai qu'un soir, une pote qui t'a filmé, on a appris de capter que t'étais dégueu quand tu dansais. C'était peut-être temps d'apprendre à bouger son cul, merde, c'est con, j'aurais bien fini mes twerks avant de déconfiner au TX. C'est sûr que notre twerk c'était pas trop ça, hein. Ouais. C'est peut-être pas si mal que les bars et tout, les boîtes elles restent fermées en vrai. Bah... L'opportunité d'évoluer. Peut-être si ça se trouve encore grandir, je sais pas. Un temps quoi? Un temps long? Comme ce texte. Ta gueule. Nous qui fait ces soirées sales, ces soirées vides, sans savoir qu'on serait à l'arrêt si vite, face à ce qu'on appellera bientôt soirée icide. Maintenant, c'est Anna qui chante. Désolé pour mon français, je prends déjà un coup français, okay. Donc ça c'est bon. Look at Anna for us singing. Un festival coup d'accord, s'il te plaît. Bien, applaudis. Merci beaucoup, je vais casser un peu ce truc-là qu'on a essayé de casser aujourd'hui, je vais peut-être me mettre là-bas au milieu. C'est une vieille chanson arménienne. Et ce qui est génial, c'est que quand elle a été retrouvée, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui s'adresse ni à un homme ni à une femme, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est une personne qui s'adresse à une autre personne de l'autre côté d'une montagne. C'est en arménien.
qu'il y a des personnes qui voudraient crier les mots qu'il y aurait dans la boîte à cri? Deux, trois, plusieurs personnes, peut-être. Madame, je vais vous diriger vers la source et le bonnet rouge. Si vous voulez crier, prendre les messages du pendant ou écrire un message qui sera crié par quelqu'un d'autre. This is on the screen box, and so we'll scream about the screen that will get screamed there. Thank you.
Salut à tous, voilà. Moi je suis le relais police, relais contrôle. Ouais, parfois j'ai mes rôles qui sont... Non, ça ira, ça ira. Je crois que c'est mieux. Ouais, c'est mieux avec la voix. Je vais retirer mon masque et je vais vous raconter une petite comptine, une petite, petite histoire féerique de la nuit à la Monnaie. h 48, je me réveille au Théâtre Royal de la Monnaie. Je suis pas le seul à avoir des insomnies. Il y a deux payes en veste qui sont sur leur smartphone, perchés en haut des escaliers, avec une table et une lampe de chevet. Ils s'appellent Bilal et Yacine. S'ils avaient une peau de peluche, ils seraient parfaits pour le Muppet Show. Sauf que c'est nos surveillants. On est 10 à avoir chopé une retenue. Ça va, c'est plutôt une retenue tripante. Faut juste faire signe pour aller fumer une clope. Au début, il fallait aussi faire signe pour aller pisser. Mais ils ont laissé couler. Le premier jour, ils étaient vraiment pas chauds. Avec la direction, il fallait négocier avec 3 directeurs techniques. Un cerbère à col blanc, les mains derrière le dos, le front haut. Apparemment, ils sont revenus de vacances. À cause de nous. J'hésitais à leur dire que les voyages non essentiels n'étaient pas autorisés. Mais vu qu'on devait avoir l'accès à un évier, j'ai laissé couler. Et ils étaient bien là, comme ça, avec cette posture du contrôleur. C'est une posture bien spécifique, hein, qui marche avec le poing sur la pointe des pieds et qui fait un peu aller les talons comme ça. Que tu lèves bien, bien ton menton et tu regardes. Ok. Alles ok. Alles ok. Bon, avant, moi, j'avais jamais très bien compris cette posture. Et puis, avec le Covid, les théâtres étaient fermés. Et donc avec un ami, on voulait continuer à jouer parce que c'était notre stratégie de survie, sinon on pensait qu'on allait complètement déprimer. Et du coup, on a monté une milice sanitaire autoproclamée. Et en fait, en devenant les règles, c'était la seule manière de pouvoir continuer à s'exprimer. Et en fait, on a été applaudis, on travaille d'ailleurs avec la police, salut. On a été reçus dans le cabinet de Philippe Close. Et là, j'ai compris, en fait, ce que c'était le plaisir du contrôle. C'est un plaisir de malade, de dingue. T'arrives dans un espace et tu déplaces les corps des gens comme ça, comme des petits Legos. Comme des petits Legos, mais sans histoire. Je vais prendre mon texte. Parfois, je sors de mon texte. C'est ma comptine. Bon, alors, oui. Et justement, je me disais, il y a un livre que j'ai pas lu, mais je me rappelle qu'il est assez important, dans lequel il est écrit que le fascisme, c'est jamais qu'un jeu qui a mal tourné, quoi. C'est une petite bande de losers, et ils se sont pris au sérieux, et puis petit à petit, comme ça, et c'est devenu Uber alles. Je me dis que je vais me prendre un café, à 4h48, il y a Tignos qui a installé un petit pot avec un percolateur. Il est vraiment bien attentif, Tignos, à comment... Quand tu modifies l'espace, ça influe sur quoi qu'il se passe. Le fait qu'il y ait une camionnette là, c'est pas anodin en fait. J'avais juste pas calculé que le percolateur, ça fait quand même un petit bruit à la fin et que ça allait réveiller tout le monde. Il y a la fumée du percolateur qui est montée et le filet, il s'est enfilé exactement entre les escaliers. Il est rentré dans la narine du vigile. Achoup ! Dans le coude ! Je suis sorti dehors pour fumer une clope dehors. Le soir, c'est le désert. Et j'étais d'ailleurs illégal. T'as encore couvre-feu et les seules bagnoles qui passent, c'est les petites Smart blanches avec marqué Securitas. Je sais pas si il y a 5 ans c'était comme ça. Je veux dire, avant les attentats à Bruxelles, c'est comme si tout le pays avait chopé des tocs et qu'il fallait des flics pour n'importe quel déclic. Assure que tout est dans le protocole et que tout est ok. Selon lui, on a poussé le bouchon parce que la musique c'est interdit, c'est le bourgmestre qui l'a dit. Parce que ça fait bouger les gens et que le bois de la cobre et que tout est quanti. Mais sérieux, est-ce qu'on va se mettre à faire
ces flash mobs à 2 francs 6 sous dans le silence et dans l'ennui. Non, 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 c'est pas 1m50, c'est une matraque à distance. Le combi, il attendait là, on a réussi à négocier. Allez, 15 minutes, la fanfare ne pouvait pas jouer plus que 15 minutes. J'imagine qu'après 15 minutes, c'est extrêmement contagieux. Et du coup, après 15 minutes, on a interrompu la fanfare. Et aujourd'hui, on n'a même pas pu faire 15 minutes! Putain! Et la question, c'est vraiment la question de l'oreillette, en fait. Depuis le début du Covid, j'ai développé une maladie auriculaire. C'est comme mon cerf humain qui a pris la forme d'un petit policier qui est posé exactement sur mon tympan et qui dit... Ça fait clink ou clonk avec la voix du commissaire Van Kalk. Et je dois dire que c'est une maladie blue ear et qu'elle perd pas souvent le signal. Seulement quand je me brosse les dents, je suis légal. Et encore, faudrait désinfecter les poils. Enfin bref, le contrôle, c'est pas du click and collect. Une fois que c'est dans le crâne, ça modèle son paysage. Il n'y a qu'à regarder les magazines santé avec 1000 régimes pour tout âge. Dès qu'on transforme son corps pour fitter, on est foutu. Mais nous, on va pas se flouter. Tous les jours, à 5 heures, on fait culture et on s'en fout. Straks gaat Anna in het Frans. Wij danken iedereen die vandaag het woord genomen heeft. Dank voor uw komst. Voor iedereen die hier aanwezig was. Annelies van der Linden, minister van de Binnenlandse Zaken, schreef onlangs een brief om ons te paaien naar de jongeren toe. Ze zegt, je wilt uitgaan, je wilt je vrienden ontmoeten, feestjes houden, verliefd worden. Knuffelen zonder masker. Ja, ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, minister van der Linden. Dat willen we wel. Maar ja, maar nee, dank u wel. Toch niet. De administratief de Bruxelles-België. Ja. Toch niet. We antwoorden dat we weigeren ons te laten infantiliseren. We negeren... Vooral om onze stem te laten proberen. Ik ben heens. Ik kan niet meer. Maar we gaan door. Vas-y, Farbot. Ouais. Bon. Go, Farbot. Door minister van der Linden, door dat te doen, neemt u ons niet serieus. Wij zijn de jeugd van de morgen. Wij zijn de mensen van de morgen. Wij zijn de toekomst. Door dat te zeggen, neemt u ons niet serieus. Wij zijn geen kinderen, minister van der Linden. Infantilisés.
aspirations. Quelle présomption! Quel mépris! Et vous dites aussi, Madame van der Linden, ouvrez les guillemets, faites-nous surtout savoir comment nous pouvons vous aider. Alors pour commencer, écoutez-nous et agissez en conséquence. Nous voulons que vous entendiez bien cela. Nous ne serons pas une génération sacrifiée. Nous demandons de prendre part au futur, à construire, et nous exigeons un changement de paradigme. Soyons visibles, soyons unis, soyons